Coudert, installé à Saint-Vincent, un petit village en Aveyron, dans l'ouest du département, à côté de Villefranche-de-Rouergue. Je suis installé depuis 2012. Voilà, ça fait 6 ans que je suis maraîcher. Vous me disiez que vous ne vous étiez pas installé ici, dans un premier temps, vous étiez installé ? Oui, à Sainte-Croix, notre petit village à côté de Villefranche. Donc je me suis installé en 2012 sur ces parcelles-là, qui étaient la ferme familiale. Une ancienne ferme où il restait 1,5 hectare de terrain. Donc, et du coup, je me suis installé là-bas pour des raisons économiques, foncières au départ, parce que je ne savais pas trop non plus où c'est que j'allais dans ce maraîchage-là. Aujourd'hui, ça a bien évolué. On est 6 ans après et j'ai pu acquérir une nouvelle ferme pour avoir toute mon indépendance avec ma compagne. Voilà. Donc, moi, je suis issu de formation électrotechnique qui a donc rien à voir avec le maraîchage, mais qui me sert quand même aujourd'hui d'irrigation et d'automatisme de tout ça. Donc, j'ai repris des études. J'ai fait un BP en pépinière, pépiniériste, donc pour avoir le diplôme pour pouvoir s'installer en agriculture. Suite à ça, je suis parti un an voyager en Australie où j'ai visité que des fermes en agriculture bio. En maraîchage ? En maraîchage, mais pas que. Voilà, d'accord. Maraîchage, permaculture, pas mal de choses, de l'élevage aussi. Voilà, sur un an, j'ai dû faire une quinzaine de fermes différentes et pendant un an, je travaillais dans les fermes. Je suis revenu donc de l'Australie, j'ai attaqué un BTS en horticulture en Corrèze. Pendant ce BTS-là, je suis parti au Québec, chez Jean-Martin Fortier, maraîcher, qui a sorti le livre « Les jardiniers maraîchers ». Et c'est ce modèle-là en fait, que j'ai, qui m'a parlé pour m'installer maraîcher. Je voulais être maraîcher, j'avais pas trop comment m'y prendre, la permaculture ça ne me correspondait pas. Les gros systèmes de 5 hectares, je m'y retrouvais pas avec les tracteurs, tout ça, je m'y retrouvais pas. Et le modèle de Fortier, qui est le modèle sur petite surface, sans tracteur, avec un motoculteur, m'a convenu, quoi. Et du coup, voilà, suite à ça, je suis rentré de ce BTS, je l'ai même pas terminé. Et je me suis dit, c'est bon, j'y vais, quoi. Je m'installe, je suis allé voir mes parents, j'ai dit, est-ce que je peux utiliser la terre? C'était bon, ok, voilà. Je me suis donc installé avec la chambre d'agriculture de l'Aveyron. Aujourd'hui, oui. Vous êtes installé à Saint-Vincent. Et donc, décrivez-vous un petit peu votre système. Après, niveau superficie, ça n'a pas bougé. Hein. Je suis toujours sur 6000 m² de maraîchage plein champ. Et j'ai augmenté un peu les serres, je suis à 1200 m² de serres. C'est un nouveau lieu qu'on a acheté. Donc avec ma compagne, ouais, il y a 3 hectares autour de la maison, pas mal de bâtiments. Voilà, on a choisi ce lieu aussi pour l'activité économique, en priorité aussi pour un lieu de vie quand même pour nous. Mais voilà, on a cherché un lieu qui s'y prêtait avec donc du terrain à peu près plat, on en avait rendu, de l'eau, ouais. Essentiel. Quelle est la ressource en eau ? C'est un puits qu'on a mesuré avant d'acheter, qui donne 0,5 mètres cubes jour. Et j'ai fait un bassin de rétention de 150 mètres cubes qui fait le tampon en fait. Lui, le puits remplit le bassin et moi je pompe dans le bassin. D'accord. Ça peut paraître pas beaucoup, c'est pas beaucoup, hein, on est sur du maraîchage sur petite surface. Vous consommez combien de mètres cubes d'eau ? C'est la première année ici, mais je sais d'expérience, c'est dans les 3-4 000 mètres cubes par an. Le système qui différencie donc le système Fortier, c'est qu'on travaille sur une petite surface, il n'y a pas de tracteur, donc on optimise un peu l'espace, on travaille tout au motoculteur, on standardise l'espace, c'est-à-dire que chaque planche permanente, parce que voilà, chaque planche est permanente, elles font toutes la même largeur, la même longueur, ce qui permet de faciliter la gestion au niveau de l'irrigation, des filets anti-insectes, des bâches plastiques, des toiles hors sol, de la fertilisation. On travaille à la planche. Alors on sait que pour une planche, si on veut, par exemple, une unité d'azote, on va mettre un seau de fiente, ou voilà, c'est un exemple. Et cette standardisation permet une gestion un peu plus optimisée de l'espace et voilà, de gagner du temps. Parce que, au niveau des rotations, c'est ici, ça, ouais. En fait, il y a 3 entités. Il y a l'entité pour moi qui est les serres mobiles, avec un 3 rotations et 3 déplacements de serres. Il y a une entité avec 7 jardins qui tournent sur eux-mêmes, donc 7 jardins de 12 planches qui tournent sur 7 ans. Et ensuite, l'entité des 2 grandes serres là-bas qui sont divisées en 2, donc ça fait 4 parties qui tournent sur 4 ans. Voilà, j'ai 3 entités ici.
Ce qui ressemble le plus à Fortier, c'est vraiment voilà, les 7 jardins de 12 planches. Sachant que n'importe où, tout est standardisé, que ce soit dans les serres, les grandes, les mobiles ou le plein champ, tout fait la même longueur, même largeur. Et ça, qu'on soit sur 20 mètres, 100 mètres, avec tracteur ou pas tracteur, c'est juste indispensable en fait. Au niveau de la gestion des fertilisants, de l'irrigation, des filets, il faut un standard. Voilà, peu importe la longueur, la largeur, mais il faut un standard, c'est beaucoup plus simple. Au niveau des outils, des équipements. Et... Oui, pour vous, la... On sait qu'on fait une planche de salade, ben on sait qu'il me faut 4 plaques de semis. Ouais, je sais qu'il y aura 240 salades ici, quoi. Et ça, voilà, tout est planifié, organisé. Les serres mobiles, elles font 100 mètres carrés chacune. On ne peut pas acheter des serres mobiles, ça n'existe pas dans le commerce. Pas en France en tout cas, ça existe aux États-Unis, au Canada. Donc on a soudé des barres, on a soudé les arceaux sur des barres, et sur ces barres-là, on met des roues, on fait des roues de diable. Et donc on met 8 roues de chaque côté, on pourra le voir de plus près. Hein. Et les serres sont déplacées, aujourd'hui elles sont déplacées qu'une fois par an, mais j'ai utilisé ces serres où on les déplaçait jusqu'à 2 fois, voire 3 fois par an. Donc ça peut être très très intéressant au début, quand on n'a pas trop les moyens d'avoir plus de serres, on peut, bon, pour un exemple, on fait une plantation en janvier sous serre, on la déplace en avril, donc on laisse continuer la culture à l'extérieur, par exemple un chou, une carotte semée au printemps, une salade peut continuer en avril à l'extérieur, elle n'a plus besoin d'être protégée. On peut protéger une tomate en avril, qu'on va protéger jusqu'au mois d'octobre. En octobre, on va déplacer la serre, qu'on va venir mettre sur un épinard qu'on aura semé au mois d'août. Et là, on aura protégé 3 cultures avec une seule serre. Donc ça, c'est avec 300 mètres carrés, on peut avoir l'équivalent de 900 mètres carrés de serre. Et du coup, parlez-nous du temps de déplacement. Alors, ou de la contrainte de déplacer. Eh bien, c'est 2 heures à 2 personnes pour déplacer les 3 serres. Donc c'est très rapide en fait. Après, ensuite, elles sont amarrées avec des amarres à frapper qui sont elles tout le temps en place. Hein. Elles sont en place sur les 3 jardins. Donc on vient juste retendre les câbles qui servent d'amarre en fait, qui sont accrochés à l'amarre. Et on produit du coup quasiment tous nos plants, sauf les plants d'été que j'appelle, donc tomates, aubergines, poivrons, qui sont eux achetés. J'achète ça dans le sud de la France et on ne trouve pas trop ici en bio. Donc je me fais livrer mes plants début avril, plantation début avril. Voilà, tout le pour reste. Pour quelle raison? Parce que, niveau de mon organisation de travail, je travaille du mois de mars, donc début mars à fin décembre. Je ne commercialise pas de janvier, février, mars, il n'y a pas de commercialisation. Donc janvier, février, c'est mon temps de pause. C'est très important, c'est le modèle Fortier qui veut ça. Moi, je le prends avec. Mais j'avoue que des fois, j'y pense hein, de faire tous mes plans. Parce qu'on se décharge d'une tâche et puis on a un plan qui est vraiment bien régulier chaque semaine. Quand nos plannings sont parfaits, sont bien faits, voilà, ça roule quoi. Le choix des variétés, c'est un peu dans la gestion des maladies et des problèmes qu'on peut avoir en bio. Donc ici, il y a de l'hybride, de la variété ancienne. Souvent, c'est des choix par rapport aux résistances. Plus de tracteurs dans ce système-là. Tout est travaillé au motoculteur. Enfin, quand je dis motoculteur, c'est une herse rotative. Donc, voilà, c'est pas le rotoculteur, c'est la herse rotative qui travaille dans l'autre sens pour éviter de mélanger les couches. Et on fait aussi un travail en profondeur avec la grelinette, un outil qui permet de décompacter la profondeur. C'est une charrue rotative qui permet de prendre la terre du chemin et de la remonter sur les planches. Parce que nos planches sont permanentes, mais de temps en temps, on vient travailler le chemin pour rebuter en fait. Au niveau de la fertilisation, sur la ferme, c'est la fiente de poule qui est achetée, donc en granulé, hein, de la fiente de poule en bio, ainsi que du compost, mais pas tous les ans. C'est du compost aussi qu'on achète, qui est mis tous les 3 ans en fait dans la rotation. Et pour les cultures plus gourmandes, genre tomates, aubergines, on utilise le patencali qui apporte la potasse, la potasse naturelle. Ainsi que l'engrais vert, qui fait partie quand même de la fertilisation et de la gestion de la matière organique.
dans mes rotations, il y a systématiquement des engrais verts, que ce soit sous serre, en plein champ, sous serre mobile. Voilà, il y a au niveau de la gestion de l'herbe, chose des fois compliquée en bio. Du coup, il y a beaucoup de paillage plastique utilisé, toile hors sol, systématiquement toile hors sol. Toile hors sol qui est quand même plus durable dans le temps et vraiment plus facile à utiliser. La toile qu'on peut garder des années et des années, contrairement au polyéthylène. Voilà, qu'on se sert temporairement quand on veut faire du désherbage, donc parce que au niveau de la gestion de l'herbe, donc il y a la toile hors sol. On utilise le technique de faux semis avec bâche plastique, donc on prépare le sol comme si on allait semer, puis on arrose et on couvre d'une bâche polyéthylène afin que l'herbe germe et que qu'elle meurt en fait parce qu'elle manque de lumière. Sur des semis directs type carottes, radis, il y a aussi le désherbage thermique qui est utilisé. Il y a du binage qui est tout le temps fait manuellement, donc pas tracteur, avec des binettes oscillantes, là ou à bras, qui permet de venir gérer l'herbe à son stade quotidien. Donc ouais, quand elle est toute jeune, c'est ça aussi la gestion de l'herbe, c'est de la prendre assez tôt, quoi. Alors, maladies, insectes. Alors, insectes, dehors, systématiquement, enfin, dehors ou dedans, d'ailleurs, ou sous serre, c'est pareil. Tout ce qui est allium, donc Aliaceae et Brassicaceae, donc toute la famille des choux, c'est sous-filé. Sous-filé anti-insectes, dès le début de la culture pour les choux, même sur un semis de radis, ils sont mis systématiquement. Il y a deux types de filets, un qui est plus fin, donc pour les choux, c'est contre l'altise notamment, puis après la pierride, la punaise, enfin tous les insectes des choux qui sont nombreux, sans filet, pas de choux. C'est juste ici, c'est impossible, moi je ne sais pas faire. Voilà. Donc ça c'est un coup, mais c'est un coup qui est vite amorti parce que ben, j'ai des choux, quoi. J'ai des beaux choux tout l'automne, tout l'hiver, et sans traitement. Après, au niveau des carottes, qui a la mouche de la carotte, ainsi que l'oignon poireau, et qu'on connaît la mouche mineuse du poireau qui fait pas mal de dégâts en ce moment, il y a les filets, mais qui sont mis que sur les périodes de vol. Donc, on connaît les périodes de vol, printemps, automne. En ce moment, en fait, si on va voir les poireaux ou les oignons, il n'y a pas les filets parce qu'il n'y a pas les vols. On va les remettre, les filets, un peu plus tard, donc fin août, c'est les vols qui vont arriver après un septembre. Permet quand même de gérer un peu les cultures parce que la problématique des filets, c'est qu'on voit moins bien les cultures, on est moins attentif et enherbement ou autre problème, et voilà, c'est le problème des filets, mais bon, c'est indispensable. Sous serre, pour la gestion des insectes, il y a des introductions d'auxiliaires pour gérer l'acarien, le puceron, le trips. Et au niveau des maladies, en fait, il n'y a pas de traitement spécifique, que ce soit contre l'oïdium, le mildiou. Je fais une pulvérisation systématique tous les 15 jours ici, en saison, donc du mois du mi-avril à mi-septembre, on va dire, dans la grosse saison. Purin d'ortie, purin de consoude, algues marines qui apportent le bore. Voilà un peu les trois, un peu de bicarbonate parfois, du savon noir aussi. Pour ça, j'ai fait l'achat d'un atomiseur cette année et ça, on gagne beaucoup, beaucoup de temps avec ça. Donc commercialisation depuis le début, tout en vente directe, avec un marché hebdomadaire le dimanche matin. Et des paniers, alors des paniers, c'est pas une AMAP, c'est un site internet où les gens commandent chaque semaine leurs produits. C'est libre, ils prennent ou ils prennent pas, c'est pas des paniers fixes, ils prennent que des tomates, ils veulent que des tomates. C'est eux qui constituent leur panier. Et ça, c'est à Villefranche de Rouergue, donc tous les mercredis, les gens passent commande jusqu'au mardi soir, et moi je prépare les paniers, donc le mercredi matin. Ça représente combien de paniers? Ça représente une trentaine de paniers à peu près. Ouais. Par semaine. Par semaine, c'est ouais. Niveau chiffre d'affaires, c'est 70% le marché, 30% les paniers, voire paniers qui diminuent un peu, plutôt le marché qui prend le dessus. Ouais. Et un peu de vente à la ferme, mais vraiment anecdotique. Chiffre d'affaires moyen par marché? C'est de 200€ à 1600€. Pour l'instant, c'est pas un souci la commercialisation. Donc maraîchage diversifié ici, hein. Ouais. 50 espèces de légumes.
Donc pas de production principale. Je connais mes volumes possibles au marché, ça correspond en fait à ce que je produis ici et pour l'instant c'est bien. Quel est le temps que vous consacrez à la vente? Donc ça me prend 11 heures par semaine. Le marché plus les paniers, les livraisons des paniers. Ouais. Donc du mois d'avril à fin décembre. Donc moi je me suis installé sur l'idée c'était un UTH et demi. Donc je suis un UTH et un demi qui était pendant les trois premières années surtout des stagiaires. Je ne sais pas si on peut, c'est des UTH, mais en tout cas c'était des stagiaires. Et depuis 3 ans maintenant j'ai un employé. Donc lui il est là du mois d'avril au mois de septembre, 21 heures par semaine. Alors le modèle Fortier il était sur 3 UTH. Et moi je l'ai coupé en deux. Au niveau de la superficie et tout ça, j'ai pris son modèle que j'ai divisé en deux, pour diviser en deux le chiffre d'affaires et puis le nombre du TH. Ouais. Voilà. Je me suis installé avec la DJA et avec les pré-JA, donc 20 000 euros de JA. Et j'ai fait 20 000 euros la première année de prêt, qui était prévu donc dans mon PDE, et 10 000 euros la deuxième année, donc 50 000 euros. Ça m'a coûté de m'installer sans parler du foncier. Donc le foncier je l'avais, on me le prêtait, familial. J'avais la maison dessus qu'on me prêtait aussi, un petit studio. Donc 50 000 euros que pour l'outil maraîchage, c'est-à-dire les toiles hors sol, les serres, 300 mètres carrés de serre, hein, pas beaucoup, motoculteur, irrigation, j'en ai eu pour 50 000 euros le camion, la chambre froide. Tout un tas de petits matériels d'investissement, mais qui coûtent au final quand même 50 000 euros. Ça, donc, c'est l'investissement que j'ai fait pour les 5 premières années jusqu'à la fin de mon PDE, donc que j'ai suivi à la lettre. Je suis arrivé jusqu'au bout de mon PDE. Et suite à ça, donc, j'ai déménagé. Donc là, ça a été un coût supplémentaire, réinvestissement, par choix. Hein. Achat d'une maison, ça c'est quand même autre chose. Achat du foncier. Et de la maison que les banques ont bien voulu nous prêter hein, pour acheter suite à, parce que le maraîchage fonctionnait donc ils ont bien voulu nous prêter et donc j'ai réinvesti obligé hein, quand on reprend un lieu des tranchées, de l'irrigation on doit remettre quand même en place plus des serres je me suis rééquipé en serre donc j'ai pris 1200 m² de serre donc j'ai dû réinvestir à peu près dans les 20 000 euros. Donc moi l'objectif dès le début en fait de mon installation c'était de gagner ma vie, c'était gagner à peu près 1500 euros par mois. Et ça c'était un objectif dès le début, être maraîcher bio, ouais, okay, mais aussi en vivre. En vivre et avoir des vacances. C'est pour ça que janvier, février, je ne travaille pas. On a parlé, j'achète mes plants. Donc en vivre 1500 euros par mois, c'est mon objectif qui est atteint en fait aujourd'hui après 5 ans. C'était écrit dans mon PDE et j'en suis arrivé là. Ce qui représente à peu près entre 38 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et ça me coûte dans les 20 000 euros par an de fonctionnement de l'activité. Hein. J'englobe tout, hein, les salariés. Oui, ben, je vois que j'ai réussi parce que j'ai suivi ce modèle-là de Fortier. J'avais un modèle et j'ai appliqué sa méthode et ça m'a permis de réussir en fait. Hein. J'ai pas réinventé le maraîchage, j'ai pas réinventé un système, j'ai pris quelque chose qui marchait ailleurs, que j'ai appris là-bas et que j'ai appliqué donc ici. Alors la difficulté au départ, enfin sur le site, je crois que c'était des difficultés géographiques hein, déjà. Le terrain, sol très argileux, avec pas beaucoup d'eau. Ça a été une grosse difficulté donc jusqu'à l'an dernier. C'est vrai que le site, même si c'était donc familial, ça c'était un gros avantage. C'était donc gratuit et puis j'avais un logement, mais c'était pas un terrain très propice au maraîchage. Donc ça, dans le choix du lieu d'installation. Je pense qu'un mauvais choix peut faire capoter le maraîchage. Hein. Le maraîchage, c'est quand même quelque chose de difficile comme métier. Il faut que le lieu soit propice à ça. Hein. Il faut un minimum de terrain plat, de l'eau à volonté, quasiment,
de l'ensoleillement, pas une combe froide. Voilà, faut faire attention au lieu où on s'installe. C'est ce qui a justifié en partie votre déménagement ? Oui, en partie, oui. Puis aussi l'envie d'être autonome. Chez soi. Chez soi. Donc pour réussir, ce qui me semble important, c'est déjà d'avoir un lieu propice. Mmh. Ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important. Pas un lieu qui est que beau. Voilà, faut un lieu qui fonctionne pour le maraîchage. Et moi, ce qui m'a permis de réussir aussi, c'est les investissements. Mais ça peut faire peur au départ, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît rien, 50 000 euros, mais je me rappelle au début, ça me faisait un peu peur, mais c'est vrai que c'est sans l'outil, en fait, on peut pas produire, on peut pas gagner d'argent, on peut pas réinvestir. Et donc l'investissement, le lieu qui va bien et la commercialisation. Très important de réfléchir à sa commercialisation, sur quel marché ou pas marché, ou biocoop, peu importe, mais qu'elle soit adaptée à sa production. Si on fait du plein champ demi-gros, on va peut-être pas au même endroit que si on fait 50 légumes sur 6000 m². Voilà, réfléchir dans quelle région on est, voir le débouché pour y répondre, ou aller plus loin s'il n'y a pas de débouché sur place. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une fois que j'étais installé, c'est que j'étais en contact avec l'APABA, l'Association pour l'agriculture bio en Aveyron. Et là, j'ai rencontré de nombreux maraîchers. Et ma formation, en fait, elle s'est faite. C'est là où j'ai l'impression d'avoir fait x10 ou x100 même dans les 6 premiers mois de mon installation, où j'ai rencontré énormément de maraîchers. Et là, j'ai absorbé toutes leurs informations que je pouvais, quoi. Et des vieux maraîchers, des jeunes qui s'installaient. Et là, un peu tous les maraîchers qu'on était, on a avancé un peu tous ensemble. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc pour réussir, je crois, un maraîchage, c'est vraiment gérer, quoi. Surtout un maraîchage diversifié. Hein. 45, 50 légumes différents, jusqu'à 10 semis du même légume par an. Une organisation, une planification qui doit être au top. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, ça, c'est un vieux maraîcher qui me l'avait dit. Il faut qu'au 1er janvier, tout soit fait. Hein. La planification, les achats de semences, la fertilisation. Tu sais où tu vas, tu sais combien tu as gagné, tu sais combien il te reste. Il faut que tout soit planifié. Au 2 janvier, on ne réfléchit plus, quoi, on y va. Quoi. Et si l'année, elle n'est pas planifiée, c'est d'après moi, le point le plus important, c'est l'organisation et la planification. Moi, je ne réfléchis pas qu'est-ce qu'il y aura en planche 24 ou 68. Hein. Tout est noté pour l'année, tout est commandé. Je n'ai pas à me dire « Ah mince, qu'est-ce que je vais semer ?» Non, il faut organiser et planifier.